Bonjour. La parabole du bon samaritain. Une histoire connue, archi connue dans les milieux d'église. Là, si vous avez été à l'église quelquefois, vous connaissez cette histoire-là, c'est sûr. Même, je dirais, ceux et celles qui ont pas vraiment d'affiliation avec l'église ont entendu parler de ce concept-là, ont des bases à part de ça. Une histoire tellement connue qu'on a l'impression que justement, là, on sait tout, on comprend tout, puis qu'il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à redire. Ben, cette semaine, c'est le texte du lectionnaire, et ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment le début de ce passage-là, avant la dite parabole. Ça commence avec un avocat, un maître de la loi. Maître de la loi, pas dans le sens avocat plaidé, là, mais de la loi... la loi de Moïse, et qui demande, ben, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Quand même une bonne question, parce que la vie éternelle, dans ce contexte-ci, et comme souvent dans le Nouveau Testament, c'est pas quelque chose qui arrive après la mort puis qui dure pour toujours. La vie éternelle, c'est un concept d'une vie de qualité maintenant et aujourd'hui, là, dans le présent, là, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette vie de qualité, cette vie merveilleuse? Bonne question quand même. Et Jésus dit, ben, qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? Bonne place pour commencer, bravo Jésus. Essentiellement, l'homme répond, ben, ça dit, aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Bon, mais tout va bien. Mais l'homme dit, qui est mon prochain? Et ça, c'est une super bonne question. Parce que on se pose la même question à quelque part. On vit dans une société très divisée, des politiques partisanes, de la confrontation, puis on se demande qui on est obligé d'aimer. Qui qu'on peut aimer quand on a le temps, puis que ça donne, puis qui qu'on est vraiment pas obligé d'aimer. Là, tu sais, comme, il n'y en a pas de problème. Et souvent, ben, la famille, les amis, c'est assez simple. Mais qu'est-ce qu'on arrive ensuite à des choses un peu plus difficiles? Bon, des collègues de travail, son ex... quelqu'un qu'on a rencontré à l'école, je ne sais pas moi, à l'école primaire, il y a 30 ans. Un membre du parti politique qui tape vraiment ses nerfs, qui est vraiment à ton opposé. Un réfugié politique. Quelqu'un qui vient dans son pays illégalement. Quelqu'un qui est en prison pour meurtre. Ça commence à être difficile. C'est vrai, ça commence à être difficile, puis on se dit, il doit avoir, à quelque part, moyen de faire une liste, de faire ceux qui sont nos prochains qu'on aime, puis les autres, ben, too bad, hein? Puis qu'on peut distribuer ça, il doit avoir moyen de répondre clairement à ça. Ben, Jésus répond à cette question-là, mais comme qu'il fait souvent dans les évangiles, donne pas une réponse claire. Non, non, ça serait trop facile, là, ça a l'air, là, que Jésus donne une réponse claire pour ses disciples, pour nous aujourd'hui, puis qu'on comprend tout. Non, Jésus raconte une histoire. Puis une histoire un peu bizarre, la façon qu'elle commence, parce que ça parle d'un quelqu'un qui voyage, et sur la route, il se fait attaquer, il se fait voler, et il est laissé là à moitié mort. Il y a un prêtre, un lévite, du monde qui travaille, c'est des religieux, du monde qui travaille dans le temple, qui passe par là, puis qui arrête pas. Même à certains points, une façon de comprendre le texte, là, c'est comme si, comme des fois, on a tendance à vouloir changer de côté pour aller chercher, côté de la rue pour aller chercher l'autre trottoir pour éviter quelqu'un. C'est quasiment ça qui se passe, là. Ils font vraiment bien attention de passer loin puis de pas arrêter, là. Puis ils font rien. Puis arrive le Samaritain. Puis encore une fois, je sais que je l'ai dit souvent, mais je tiens à le répéter. Le Samaritain, là,
Pour les Juifs de l'époque, là, ils aimaient pas les Samaritains. Un bon Juif à l'époque de Jésus, là, détestait les Samaritains. T'as peut-être des voisins, là, mais ils aimaient pas. Mais là, vraiment pas. Les Québécois ont des fois compte des jokes de Newfie ou des jokes d'Ontariens, là, ben, les Juifs dans l'époque de Jésus devaient avoir des jokes de Samaritains, là, mais là, vraiment élevés, ils s'aimaient pas. Bref, le Samaritain passe par là, voit l'homme, le voyageur, a de la compassion envers lui, s'approche et l'aide. Et c'est une histoire un peu bizarre, mais pour répondre à la question, mais je pense que ce que Jésus essaie d'enseigner à cet expert de la loi religieuse et à nous, c'est que qui est notre prochain, c'est pas une question de liste, comme je disais tantôt, là, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. C'est pas une question d'obligation, là. Ça, je dois faire ça dans telle situation, ça, je suis correct. Mais c'est une question de. Ça se répond par question de mode de vie, d'éthique, de philosophie, de tout ce qui gouverne nos vies. Ce n'est pas une question qu'est-ce qu'on fait, c'est comment on est. Et qui est notre prochain? C'est tous ceux et celles qu'on accepte de voir, qu'on remarque. Tous ceux et celles qui ont besoin de notre présence, peut-être notre aide, peut-être d'un petit coup de pouce. Et peu importe les questions d'origine, d'orientation sexuelle, peu importe si ces personnes-là, on est confortable ou pas avec eux ou elles, peu importe, même à la limite, peu importe si ces personnes-là veulent que on les aide ou on les aide pas, c'est pas ça, là. C'est à propos de nous et d'être ouvert à les possibilités autour de nous, c'est d'accepter d'être vulnérable. Comme le Samaritain ne connaissait pas le voyageur, ça aurait pu être une ruse, mais il s'est approché, il a accepté d'être vulnérable physiquement, mais ça peut être d'autres manières. C'est une question d'être prêt à aller vers l'autre. Et pas dans le sens, encore une fois, d'obligation, mais d'ouverture. Et comme le concept de vie éternelle que j'ai parlé tantôt, c'est pas une question de combien de personnes que je sauve ou que je rejoins, pas une question de checklist, là, c'est une question d'être ouvert à des relations de qualité et d'être là pour les bonnes raisons. Pas aider quelqu'un parce qu'on se sent obligé de le faire. D'aider quelqu'un parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis de voir où est-ce que ça nous mène. Puis d'accepter. Et ça ne veut pas dire nécessairement d'aider tout le monde, mais d'être dans une disposition de si je peux faire quelque chose, dans mes moyens. Est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire? Si je peux aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Puis ça peut être un tout petit service, là, ici, dans l'histoire du Samaritain, c'est quand même une grosse affaire, mais, tu sais, tenir la porte, là, même, là, quelqu'un qui arrive, est-ce que je tiens la porte, est-ce que je ne tiens pas la porte? C'est ça. Considérer la personne qui s'en vient, que je n'ai jamais vue, que je ne reverrai jamais probablement dans ma vie, comme mon prochain, puis donner un service, d'ouvrir la porte. Et cette personne-là, peut-être, s'en rendra même pas compte, mais c'est nous. Et c'est nous. C'est notre façon de voir les choses. Et c'est ça que je vous souhaite. D'ouvrir vos esprits, nos esprits, d'être ouvert aux possibilités, de peut-être sortir des zones de confort, ou peut-être que ce qu'on s'est fait dire ou ce qu'on a appris au cours des années, puis de dire, ben, la personne en face de nous, ben, oui, ça peut être mon prochain, ma prochaine. Je sais pas si ça se dit comme faut en français, peu importe. Ça peut être c'est un être humain. Puis, si je peux venir en aide, ben oui, je peux venir en aide. C'est pas plus compliqué que ça.
et de vivre dans cette mentalité-là, dans cet esprit-là. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là, de m'écouter, de me regarder. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. À très bientôt et bye bye.